Salut tout le monde, c'est la fin. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Lego ouverture de sachet de cartes. Aujourd'hui, on ouvre un truc très très vieux, tout simplement une ouverture de ce sachet de cartes Ninjago série 1. Alors, la série 1 de cartes Ninjago, je vais vous montrer un petit peu le classeur parce que je l'ai. Faut juste que je le retrouve. Ici. Voilà. Alors, c'est tout simplement ce classeur. Donc vous voyez que c'est le même packaging. Non, j'en ai pas derrière. Et en gros, si vous voulez, voilà un petit peu comment sont les cartes. Donc j'avais quasiment tout. Je crois qu'il doit m'en manquer une petite dizaine sur ces cartes-là. Donc ça va, hein, très franchement, ça va, c'est pas dégueu. Il m'en manque pas des masses. Une dizaine certes, donc je pourrais pas compléter avec ce sachet là, mais néanmoins si je peux au moins en mettre une, ce serait pas mal et j'avoue que je serais plutôt content. Donc bah, c'est parti, on va l'ouvrir et on va voir si par hasard ce serait pas des cartes qui me manqueraient. Alors on va essayer de le garder, on va essayer de l'ouvrir proprement. Alors du coup on a déjà les règles du jeu, ça je crois que j'avais tout jeté, ça c'est bien. Alors, l'archer de l'âme, Cyrus Borg, super musicien, coup de foudre, et enfin la numéro 6, Ultra Kai. Alors maintenant la question va être la suivante. Est-ce que ces cartes-là, je les ai ou non? Alors, Ultra Kai déjà, bon, bah, je l'ai, ça c'est fort dommage. Ensuite, on va aller sur Super Musicien. Alors, l'Archer de l'âme, pour le coup, je l'ai. Et Cyrus Borg. J'ai pas vu Cyrus Borg. C'est après. Ah, Cyrus Borg, je l'ai aussi. Alors, 107, donc super musicien, je l'ai. Et enfin, coup de foudre. Eh ben, je l'ai aussi. Voilà. Bon, bah écoutez, ce sera pas pour aujourd'hui que je compléterai cette collection. Au moins, ça m'a permis de vous faire une petite vidéo et de vous faire découvrir ces anciennes cartes. Bon, j'aurais mieux fait de le garder scellé, mais bon, tant pis. Écoutez, ça me fera des cartes en plus à mettre dans mes doubles. Et voilà, au moins, ça permettra d'avoir les règles du jeu parce que je ne les avais pas. Moi, j'aime bien tout mettre dans l'album pour le coup. Et vu qu'il me manquait les règles du jeu, mais écoutez, ce sera très bien. Attendez, est-ce que je... Voilà. Nickel. Voilà. Encore mieux. Donc oui, voilà, c'est à peu près tout pour cette petite vidéo Lego ouverture. J'espère qu'elle vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé une fois que j'aurai fait le post commentaire si vous avez eu durant votre collection de cette série une l'une de ces 5 cartes. Et voilà, bah du coup, c'était un plus qui vous dit bye bye.